Bonsoir. Les informations brèves pour ce vendredi 24 décembre. Le président Wibal Ramkalawan prononcera son message de Noël au peuple Seychellois ce soir. Le message sera diffusé à partir de 8 h sur SBC 1, Radio Cécile et sur la page Facebook de la SBC. Le parti L'Union démocratique Seychelloise transmet ses vœux de joyeux Noël au peuple Seychellois. Et en cette occasion, ils se joignent à tout un chacun dans la célébration de la foi chrétienne. Cette année a prolongé dans la tristesse plusieurs familles qui ont perdu leurs bien-aimés et qui ont dû faire face aux douleurs de la maladie. Les gens avaient été contraints de changer leur comportement dans leur lieu de travail et dans les milieux sociaux. À tous ceux qui ont subi ces épreuves, le dirigeant de LDS, M. Roger Mancienne, voudrait, au nom de son parti, s'exprimer sa solidarité et l'espoir que le temps et le soutien des personnes qui les entourent soient une source de consolation et des forces. Le secrétaire général de la Fédération de l'Union des travailleurs, M. Antoine Robinson, dans son message de Noël, a exprimé ses meilleurs vœux aux travailleurs seychellois. Il souhaite que cette occasion soit célébrée dans la paix et que la nouvelle année 2022 soit prospère pour les travailleurs, y compris les travailleurs expatriés, et aussi pour le peuple seychellois et leurs familles. Que l'esprit de notre croyance partagée, dit-il, apporte à la justice sociale et le dialogue dans les lieux de travail et dans le pays en général. C'était la première fois aujourd'hui que le relais du Queen's Baton a été accueilli par le bureau présidentiel à State House. And carrying the Queen's Baton was the Minister for Youth, Sports and Family. On continue les informations. La ministre des Investissements, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, Devika Vidot, a mené une visite dans le district d'Anse-Poilu en vue de discuter plusieurs propositions de projets par les autorités du district. La ministre était accompagnée lors de sa visite mardi dernier par le représentant du district à l'Assemblée nationale. Philippe Arissol est l'administrateur de l'Agence des entreprises d'Anse-Poilu. Les projets discutés comprenaient les kiosques pour les opérateurs de petites entreprises sur la côte et les centres pour les micro-entreprises et activités commerciales plus légères. La délégation a aussi visité la Maison Simone, une propriété du fonds de pension administrée par l'Autorité des propriétés industrielles. Les locataires ont exprimé leurs préoccupations à la ministre, y compris les propositions pour améliorer leurs opérations et développer davantage la propriété. Et des étudiants qui terminent leur formation dans les matières scientifiques peuvent désormais appliquer leurs connaissances dans les domaines de leurs intérêts, surtout dans le domaine de l'environnement marin. C'est le ministre responsable de l'environnement, Flavien Joubert, qu'il a précisé lors de sa rencontre avec deux diplômés détenant une maîtrise en sciences marines et durabilité. Lina Rissol utilise ses connaissances en tant que prof à l'Université des Seychelles, tandis que Mariette Dean envisage de se lancer dans sa propre entreprise à partir de ses connaissances. Leurs études étaient financées par le Fonds de financement pour l'environnement et le département de l'environnement. Le ministre Joubert a fait remarquer que le programme de maîtrise dans ce domaine a démarré pour la première fois l'an dernier et il a lancé l'appel aux étudiants intéressés à s'y inscrire l'année prochaine. Voilà, c'est les informations. Bref, merci de votre attention.